Ça va, Dali ? Ah, ben ça va très bien, voilà, il fait beau, c'est merveilleux. On est en plein soleil ici, on va essayer de bronzer un peu. Dali, on va peut-être pas parler tout à fait des projets de la rentrée avec toi, bien qu'il y en ait sûrement, mais ce qui m'a paru étonnant, c'est que depuis de nombreuses années, chaque année, pour la plupart des artistes, dont toi, ce sont les fameuses tournées d'été, et que cette année, exceptionnellement, oui, pas de tournée. Cette année, exceptionnellement, je m'arrête à la fin du mois de juillet, c'est-à-dire ouais. Après une semaine en Égypte, où je fais au Caire 4 galas à Alexandrie. Mm-hmm. Et après, je prends des vacances, je m'en vais en Corse, dans ma maison. J'adore la Corse, car la mer, elle est superbe. Alors, comment elle est installée, la maison ? Vraiment, ça doit être très différent d'ici, mais... Oui, c'est tout à fait différent d'ici, mais c'était un endroit qui est très calme, car finalement, comme tout le monde, j'essaye de me reposer. Et j'aime surtout parce que, bon, même au mois d'août, il n'y a pas beaucoup de monde en Corse. Hein, ouais. Quoique maintenant, il y a des gens qui arrivent. Oui, c'est une île, c'est un petit peu moins facile d'accès. Oui. Ça explique peut-être... Mais j'aime bien, parce que d'abord, la végétation, elle est très belle, l'île est très belle. Elle donne sur la mer ? La mer, oui. Elle donne sur la mer directement ? C'est tout à fait en haut d'une colline. Alors, je plonge, j'ai une vue aérienne. Tu me disais, quand on arrivait ici dans cette maison, tu voyais des taches colorées partout, des fleurs que Nicolas a installées. Ah, oui. Et que là-bas, malheureusement, en fait, c'est pas tellement la saison des fleurs très colorées. Non, mais c'est un peu comme dans le midi, parce qu'il fait tellement chaud, donc c'est difficile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais prendre un peu de... Je suis allée à Rungis. Mm-hmm. J'ai acheté ce qui reste, parce que ce n'est plus la saison. Et puis, avant de partir, je mettrai tout ça dans une valise en fer. Ouais. Et je vais essayer de transporter, bon, pendant 4 heures. Pour aller les planter là-bas. Je pense pas qu'ils vont mourir, voilà. Et j'aurai pendant un mois comme ça des fleurs. J'adore les fleurs. Dali, beaucoup de chansons d'amour dans ton répertoire. Oui. C'est une volonté délibérée, je présume. Ou c'est une espèce d'hypersensibilité à... Ben, c'est-à-dire que l'amour fait partie de la vie de chacun. Et puis finalement, depuis toujours, on chante l'amour. C'est jamais mort, c'est toujours vivant, c'est toujours là. Alors c'est merveilleux de chanter l'amour, mais en même temps, bon, dans un tour de chant ou dans un show ou dans un spectacle, un récital, disons qu'il y a beaucoup d'autres chansons qui sont un peu aussi différentes. Mais finalement, le thème de l'amour, c'est à la base. Mais c'est vrai, c'est ce qui reste quand même la base de exactement. Ça. Exactement. Alors on va peut-être écouter la dernière en date, oui. Hein, qui s'appelle Pour un homme. Oui, oui. Ça devrait faire plaisir à certains d'entre nous. Sans l'avant pour pas cher, pour un homme, on s'invente un mois d'août en hiver, pour un homme, d'une poupée on devient une lionne, pour un homme, on entend la mer au téléphone.
cet homme, j'ai pas peur du premier cheveu blanc. Pour cet homme, je vais croire d'autres dieux que les miens. Post-scriptum, c'est écrit dans le creux de mes mains. Ben voilà, nous avons quitté le...